Alors, je regardais juste les enceintes. J'étais juste en train de regarder les enceintes. Il y a des massages déjà avant tout. Il y a, on peut venir boire un petit thé, se grignoter quelque chose. Musique, il y a du VJ, il y a manger, grignoter. Maximum de nourriture bio. Voilà, le but c'est de montrer aux gens qu'il y a moyen de faire, de tenir un lieu autrement justement. En ayant des bons côtés, autant des boissons bio, autant des bouffes bio quoi. Enfin, autant des trucs un peu différents, de la musique par exemple différente. Ouais, des expositions où il y a des gens qui posent des trucs qu'ils n'ont pas l'occasion de poser ailleurs ou comme ça. Je voulais un endroit où les gens pouvaient prendre du temps pour eux et pour leur bien-être et pour profiter. Et comme je suis un peu passionnée et par le milieu de la restauration et par le milieu de la santé naturelle et des massages, et que j'étais en train de faire ma formation de masseuse thérapeutique, j'ai décidé d'ouvrir un lieu où on pourrait se soigner par différents moyens comme les thérapies manuelles, les tisanes, etc. Depuis cet été, on travaille ensemble. Et maintenant, l'idée, c'est un peu de développer le côté culturel et événementiel. Avant, il y avait déjà des cafés littéraires, des expositions. Donc, on va continuer sur la même lancée et proposer aussi des concerts, des ciné-clubs, des dansants. Développer l'événementiel. Voilà. Exact. D'attente et de culture. Poésie, nature, partage. Joli. À voir, plein de choses à déguster, plein de choses à savourer.